Bonjour, bienvenue sur une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui avec Liam, on va faire nos playoffs pour le 14e épisode. Déjà du compte à 0€ sur Xbox. Si tu aimes bien la vidéo, n'hésite pas à liker et aussi à t'abonner. On est tout proche les frérots des 56 000 abonnés. Maintenant, c'est parti pour la vidéo. Alors en vrai, je te mens pas, quand je vais remater le gameplay du Twin Seco, ça va être une horreur parce que franchement, c'était cataclysmique. Cataclysmique. Poutelas ? Oh ! Frère ! Mission 10-0 les frères. T'es sûr que tu veux rester comme ça Vince? Tu leur fais confiance? Je leur fais confiance. Ouais, au mieux t'es Ederson. En vrai je te mens pas, les grosses animes cette année moi je les prends hein. Les 81-89 moi je les prends direct hein, je te mens pas. Parce que le taux de drop des grosses notes moi je trouve cataclysmique cette année. C'est une machine à but Peter Crouch. C'est une dinguerie. J'étais choqué. Voilà. Ça c'est le mental ça. Vu comment tu fais un pressing sur l'adversaire là, il arrive pas trop à sortir de sa zone. Ah bien joué. Un avis impopulaire sur FC24. Je peux vous dire le mien, Clash Equipe c'est pas si mauvais que ça cette année. Ah mais là on va arriver dans la période où ça va être moins... Ça va moins valoir le coup, mais Clash Equipe c'est pas si mauvais que ça cette année. Julie. J'aurais peut-être dû faire la passe là. Attention Vince. Voilà Vince, gamin, allez. J'arrive. Voilà c'est bien, c'est la 75e. Magnifique Vince, comment t'as pris ton temps, magnifique. Je sais que ça va peut-être faire mal à certaines personnes. Vous avez vu la blessure de Neymar? Est-ce qu'il y en a qui ont vu la full blessure ou juste... Parce que moi les gars j'ai pas vu la vidéo de la blessure. J'ai juste vu la photo. Parce que j'aime pas quand c'est des blessures comme ça, je préfère pas voir. Oh là là, magnifique. Mais franchement les gars, ça doit être très très dur mentalement pour le Ney. Qui se souvient de ce méchant joueur, Ivi Kaolic? Il m'avait un peu traumatisé ce joueur là, le triplé qu'il met contre Lyon là en demi-finale de Ligue des Champions. Je sais plus si c'était demi-finale ou quart de finale. Oh là là, Griezmann frère, les gars, Griezmann il est fort quand même, mais je sais pas, il manque ce truc dans les gros matchs. Ah les gars, on joue à Shaolin Soccer là. Je suis en quoi? Je suis en 5Z là. La Vince, on commence à tuer tes matchs. Hein. Ouais. Oh non, y a pas d'orge. Magnifique Vince. Ça t'a aidé que je te dise y a pas d'orge? Ouais ouais, nickel, merci mon frère. Bien joué Ludo. C'est vrai ça. Oh, oh là là, Julie! Dommage, mais peut-être la petite passe en plus et là tu tires. Le sang froid dans la surface. Sinon, ouais, sinon c'est... Allez, pas bon. Le contenu, je trouve... Mais j'aimerais un peu plus de contenu en termes de gameplay.
avec potentiellement des coupes. Des coupes RTTK, j'aimais bien ça. Tu vois, je trouve ça bizarre qu'il n'y a pas de coupe Trailblazers. Voilà, fais-le défendre. Magnifique Vince, c'est ça. Bien joué mon gars. Oh les gars, le football. Attention à pas trop jouer dans la Vince. En fait, je peux rien faire, ouais. Putain. Magnifique. Merci, merci. C'est ça, Vince. Simple et efficace. Allez, simple et efficace. Allez, mec, il bouge pas le goal. Oh, merci, Milinkovic Savic. Je crois que dans ce match, les gars, je mets 2 buts sur corner. Lui, il est bon dans ses gauches-droites, donc fais attention. Ouais, t'as raison. Le match est loin d'être fini. Ouais. Allez, Grison. Tire. Magnifique, Vince. Merci, magnifique. Grison. Ça, c'est du sang-froid, Vince. Magnifique. Bon, les frérots, on est en 9Z. Allez, faut que tu rentres tout de suite dedans. C'est soit lui, soit toi. Allez, sois décisif, hein. Sans froid. Voilà, Vince, tout de suite dedans. Tout de suite dedans. Chico, vamos, chico, vamos, dale, dale. Un pas sur lui. Allez, bah après, tu sens que c'est un. Exter. Oui, magnifique. Magnifique, Vince. Allez, c'est pas fini, mon gars. Allez, allez, allez. Vamos, vamos, vamos. Prends ton temps. L1 gauche-droite. Le petit passement de jambe spécial Vince. Je reconnais quand Vince il est prime et là on est en plein dedans. Vince, ça fait 2-3 ballons que tu perds comme ça. Le laisse pas des cartouches pour revenir dans le match. Le laisse pas des cartouches pour revenir dans le match. Ouais voilà, mais Vince, c'est au mental Vince. Ça va les gars, en vrai c'est le premier 10-0 de l'année, je suis content. Là il y a des bonnes récompenses. Il y a des bonnes récompenses qui vont arriver, je suis content. Aujourd'hui, et je vais aller derrière pour vous regarder droit dans les yeux. Aujourd'hui, est-ce que je vous ai satisfait? On veut vite ton retour à ton prime Vince. Non, t'as perdu ton match le plus important de la semaine. Ouais. Bon, on les connaît les gars, les récompenses seront. Pack méga, pack 50 000, pack 100 000. C'est des grosses récompenses les frérots. Juste avant, je vais vous montrer du coup les tactiques pour les frérots. Et je vais vite aussi parler des trois joueurs qui m'ont plu. Griezmann, c'est bizarre parce que vraiment, les frérots, Griezmann, il me fait la différence. Mais je vais le garder, hein. Il me faut qu'il me confirme tout ça. Tu vas le garder pour ce week-end? Ouais. Tu sens que ça peut être lui ton ton joueur spécial? Ludovic Julius, j'ai bien aimé. En 20 matchs, 10 buts, 12 passes. Non, en fait, c'est clutch hein, pour un défenseur bon. Et après, Rafael aussi, il m'a raté des trucs aujourd'hui. Par contre, Neymar sur le côté, j'aime beaucoup les frérots. Et Mitard, Véron, Milinkovic Savic, ça bosse. Et même Rafael Marquez, j'ai beaucoup aimé. Ça a scoré 2-3 buts importants, Marquez. Donc je suis content, les gars, en vrai, de mon équipe. Par contre, j'aimerais l'upgrade. Vous venez quoi, un Bollard, les Twins? On aimerait bien un joueur là. J'aimerais bien, mon gars. Pour Lance Paris, j'aimerais bien y aller. Allez, le pack méga. Ah, oh, c'est Acosta. GG, au moins, les playoffs qui carry un peu. Il n'y a que lui en Argentin qui était là. Hein. Je crois qu'il n'y a que lui. Petite carte spéciale, ça fait kiffer. Ok, carré. C'est votre rapide par contre, je crois. Eh, Soegon, on en a parlé en plus tout à l'heure avec des potes. Imaginez, les gars, s'il y a des supporters stéphanois ou des supporters lyonnais, on est en fin de saison, mai ou fin avril, je sais plus. Bref, on est au mois de mai. Match de barrage pour la montée ou pour la descente en Ligue 1 ou Ligue 2. T'as un Lyon-Saint-Etienne en barrage. Alors là, les gars, je vous dis, je me régale. Allez, pas que 50 000, allez. Pas de Trailblazers. Turc, MC, Chalanoglu. C'est 85? 84. Aïe, 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 aïe. T'es sûr? Je crois que c'est 84. Ah, 85, autant pour moi. Ouais, ça monte un peu, non? Il faudrait, les gars, je vous mens pas, moi, dans mon club, j'ai v'là les 83, 84. Il faudrait un SBC pour nous les faire monter, là. Allez, le pack à 100 000, des 10-0 en playoff. Aïe, 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 aïe. Pas de Trailblazers, est-ce qu'on aura du lourd? Oula! Il fallait s'arrêter à 6 victoires là, je crois. Petit rappel, les frérots, faites vos packs aperçus maintenant si vous l'avez pas fait ce soir. Et les gars, je vous le dis, n'oubliez pas, on nous a mentionné sur des dingueries récemment sur Twitter. Même sur Insta, on nous envoyait des trucs, les gars, c'est un truc de malade. Donc petit rappel, les gars, pensez à faire vos packs aperçus. Regardez, les gars, des récompenses de draft de partenaires. Et là, on est samedi matin, les frérots. Ouais. Actuellement en live sur Twitch. Et là, du coup, j'ai fait des drafts vendredi. J'ai eu des packs. J'ai fait deux drafts gagnés. Et donc, du coup, un pack méga, un pack 50 000 et un pack à 100 000 vendables. C'est comme si t'avais fait playoff rang 1. Ou c'est comme si t'avais fait récompense 10 élites, mais
là j'ai pris les packs vendables. Voilà, franchement c'est une belle petite histoire. C'est la belle petite histoire du week-end. Je gagne les deux drafts et Liam va m'ouvrir les packs. Et est-ce que c'est peut-être ça le combo gagnant? Un samedi matin à 9h35. Oh ça commence bien. Là je suis pas rentable sur la draft. Ah pour l'instant le pack méga là, aïe. Hey, derrière ça peut cacher Ferland Mendy ou peut-être cacher des consommables. De toute façon dans les packs méga on a pack Hiroki. On a pack Hiroki. On a pack KSI. On a pack KSI. Ouais c'est un pack d'influenceur ça. Oh bah ça peut se vendre là, je suis rentable. Oh je te dis que là ça peut se vendre. Allez pack à 50 000 mes fraudes. Pas de Trailblazers. Américain. DC oula 85. Je crois que c'est à 85 ça. J'espère que c'est à 85. Ouais. C'est à 85. Ça peut cacher qui derrière? La moins chère des 85 sur le marché. J'espère que ça peut cacher un petit Théo. Ça peut cacher Ferland. Rashford. Guardiola. Rodrigo. Oh oui. Oh, elle est belle. La draft elle est rentable. Vamos. Oh elle est belle celle-là. Les deux drafts elles sont rentables. Et c'est pas la première fois que je tape Rodrigo comme ça là. La première fois c'était avec Oshoala. Oshoala. La 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 la. Elle est magnifique, celle-là elle est belle les gars, je vous mens pas, celle-là elle est très très belle. Mais maintenant ce qu'on veut les gars c'est le Trailblazers. Le Trailblazers. Blazers. Let's go bro, let's open let's it open bro. It, bro. Let's go, let's come go, on, let's bro. Go. Bro. Oh il est là, il est là, il est là, il est là. Et les gars, j'ai failli perdre ma voix, mais ça va, ça va, ça va, il est là. Peut-être que ça cache en doublon. Aïe. Oh, qu'est-ce que ça? Mais attends, c'est bien. Mais c'est quoi ça? Ah, c'est des belles récompenses de draft. Victoire ou défaite, mes récompenses. Ah, c'est des belles. Oh là là. Comment passer un bon samedi, ça hein? Ah oui, mais Vince, de toute façon, la chance de Vince dans les packs, c'est assez effrayant. Merci du stream aujourd'hui. Bravo, Vince.